vivait avec sa mère dans une cabane très pauvre. Ils étaient, oh Jack, devons vendre la vache, nous n'avons plus de l'argent. C'est ok, nous la vendrons et de l'argent auront. Avec Blanchette, il est allé et qui a-t-il rencontré? Un homme qui lui a alors dit: je vais acheter la vache. Prends ici les haricots qui riches te rendront. Maman, oui, elle sera fière de moi. 1, 2, 3, 4 sont les haricots pour changer nos vies. 1, 2, 3, 4 sont qui sont haricots magiques. Jack rentrait chez lui. Il ne pouvait pas attendre de montrer à sa mère les haricots magiques. Oh Jack, non, qu'as-tu fait? Rouge elle est devenue. Les haricots, elle a jeté. Jack allait se coucher. Puis il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il passait? Une plante de haricots magiques. Je vais l'escar la terre. 5, les haricots vont changer nos vies. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont haricots magiques. Un château dans les nuages, et alors à Parou? Qui vivra là-dedans, tu sais, est plus grand que jamais. Dans la cuisine, un géant faisait frire un œuf, tu sais. Sur les tables, Jacques essayait de chanter pour l'avoir mieux, tu sais. Fi-fi-fo-fo, a crié le géant là. Derrière un panier, Jacques allait pour écarter là-bas. Les gens ensuite a compté de l'or et une boule a pris, oh non. Un œuf d'or a fait tousser, grand comme la tête de Jacques. 1, 2, 3, 4, 5, en feu d'or dans mes griffes. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont haricots magiques. 1, 2, 3, 4, 5, les haricots vont changer nos vies. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont haricots magiques. C'est haricots. Mais regarde, il y a de l'or. Je reviens encore et encore. Jack à sa mère a tout raconté, du géant, du château et de l'or. Il sur la plante puis est monté, courant plus que jamais. Dans les châteaux, les géants dormaient. Alors Jack a pris la poule, tout sait. Marchant doucement, il a voulu une harpe d'or belle, voilà. Je vais la prendre pour maman qui aime chanter. Mais Jack n'a pas réussi à tout emporter, tout seul. Qui est là? Qui est le malfaiteur qui vole mon or? Oh oh! Fi-fi-fo-fo, viens ici, oui, ne fuis pas! Fi-fi-fo-fo, ne vole pas mon or! Oh non, maman, non! Prends la hache, ne tarde pas! Oh non, maman, non! Fais-les et ne tarde pas! Et c'est exactement ce qu'il a fait. La plante d'haricots est tombée et le géant n'a plus jamais été vu. La poule était si heureuse de vivre avec Jacques et sa maman qui pondaient 5 œufs d'or par jour et Jacques et sa maman n'ont plus jamais été pauvres. Pensais-tu que nos poules ont pondu des œufs aujourd'hui? Oh, pensais-tu qu'ils nous donneront un œuf d'or, maman?
forêt. Après une longue et dure journée, une toute petite souris vient sur lui, tout juste devant son nez. Et le lion se réveilla de sa sieste, et quand il vit la petite souris, il posa sa grosse patte sur elle. Il était prêt à la manger. Pitié, dit la petite souris. Laissez-moi partir et un jour je vous aiderai, je le jure. Le lion était généreux et a laissé partir la souris. Quelques jours passés dans la forêt, pendant que le lion traquait sa proie, il a été pris dans un filet de chasseurs, incapable de s'en libérer. La souris entendit le lion rugir, elle est allée l'aider à se lever. Elle a rangé une des grandes cordes, et bientôt le lion fut libéré. Merci, dit le lion. J'ai promis que je serai là pour vous si vous avez besoin d'aide, dit la souris. Après tout cela, et devant les meilleurs amis, le lion et la souris sont meilleurs amis. Ils aiment jouer ensemble tous les deux. Ils s'entraident s'ils peuvent, et seront meilleurs amis pour la vie. Souvenez-vous de ces, la gentillesse n'est jamais vaine. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je vais danser, danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord où la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée, elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha! Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à rouler. Comme ça, le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui. Certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain ils reviendront.
Hippity hop, 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 hop. Je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop, 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 hop. Personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très très froid dans ce temps d'hiver compliqué. Il fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hé, tu peux aider un frère? Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches, il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Comme dans l'histoire du troll et des trois tout grands jeux. Ah oui, c'est mon histoire préférée. Il était une fois trois petits boucs. L'un était très petit, l'autre était moyen, le dernier très costaud. C'était les boucs grincheux. Ils partirent marcher sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup, le troll apparut et a surpris le petit bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tout le sais. Je suis petit, tout riquiqui. Attends un peu, si tu es affamé. Mon frère est bien plus fort, je l'admets. Ok, tu peux y aller. Le deuxième bouc monte sur le pont pour aller de l'autre côté. Surpris le moyen bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tout le sais. Non, s'il te plaît, troll, me mange pas, je suis un bouc moyen. Attends un peu, si tu as vraiment faim. Mon frère est plus fort, ce sera ton festin. Ok, tu peux y aller. Les grands boucs grincheux vont sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup, le troll apparut et a surpris le plus grand bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tout le sais. Et c'est donc toi le vilain troll, j'ai de très grandes cornes. Je te jetterai par-dessous le pont et tu vas pleurer de toute façon. Le troll s'avance pour battre le bouc.
troll s'est mis à pleurer. Ainsi se termine l'histoire des trois boucs de l'autre côté du pont. Maintenant les boucs mangent tout ce qu'ils voient, deviennent plus gros et plus grands. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait trois ours qui aimaient leurs sous. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Waouh, regardez par là une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours. J'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est senti fatiguée et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh, oui. Ce lit est trop plein. Alors que Gaudy s'endort, chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. L'espoir. Empouvre-moi. Ils les ont mangés. Quelqu'un a dormi à l'intérieur de l'île de maman ours. Quelqu'un...
Boucle d'Or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue et les trois ours l'ont chassée de leur maison. Elle court jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon elle avait appris. Encore une fois la maison des ours était pleine de rire et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. L'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corvées et travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'un Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne feront pas. Fou, 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 je
nature que nous connaissons. Et c'est ma préférée. L'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde rassemble. Les garçons qui criaient au loup.
suivant, les garçons qui criaient au loup. Les jours suivants, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey, tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Dans cette chanson, mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Les garçons, qui criaient au loup. Les garçons, le garçon qui criait au loup. Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep, plus de loups qui crient pour ce garçon. Waouh, quel grand lion! Et regardez cette toute petite souris. Je me demande s'ils sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah. Le lion et la souris. Un jour il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi. Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Tu crois que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah. Des jours suivants, le lion était couru aussi vite. Il a marché sur un vieux filet et fut pris dans un piège. Aidez-moi, est-ce que quelqu'un viendra m'aider? Le lion et la souris.
Le lion et la souris. Yeah. Le lion et la souris. Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde. Yeah. Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des trois petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. Trois petits cochons, trois petits cochons, trois petits cochons décident de construire une maison. Cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouvera et construit sa maison en un temps record. Foin, 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 je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, 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 je vais construire ma maison avec du bois. Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Briques, 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 je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparut. Alors dans leur maison, les cochons ont petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Ah! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! Oh! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas les amis forts, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! Trois petits cochons, trois petits cochons vivaient dans une maison en briques. Il y a bien longtemps, un cordonnier était triste. Il était très très fort. Personne ne venait à la porte de sa boutique. Ma chère, je ne sais pas ce que nous allons faire. Il y a si longtemps, je n'ai pas vendu de chaussures. Tu vois ce cuir là-bas? C'est juste assez pour faire une paire. Le cordonnier s'est assis et s'est tenu la tête. Viens mon cher, allons nous coucher. Mais pendant que le cordonnier dormait, deux lutins se sont glissés dans sa boutique. Les ciseaux magiques. Ma chère, est-ce son rêve? Ce sont les plus belles chaussures que j'ai jamais vues. Mets-les dans la vitrine, voyons si elles se vendent. Un homme riche arriva. Eh bien, acceptez-vous
dit pièce d'or. Le cordonnier a souri et a crié vendu. Achetons encore du cuir et du fil. Voyons ce qui se passera quand nous irons nous coucher. Pendant que le cordonnier dormait, les elfes se sont glissés dans la boutique. Les ciseaux magiques, coup, coup, coup. Les marteaux magiques font top, top, top. Les aiguilles magiques, cous, cous, cous. Pendant que le cordonnier dormait dans son vieux bonnet de nuit. Au matin, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Dans la boutique, voyons si elles se vendent. Et oui, elles se sont très bien vendues. Achetons plus de cuir et de fil et voyons ce qui se passera quand nous irons nous coucher. Mais à ton avis, qui fabrique ces chaussures? J'ai une idée. Voyons ce que nous allons faire. Ce soir, nous ferons semblant de dormir. Puis nous descendrons en douce pour jeter un coup d'œil. Et quand la nuit sera noire, que leurs hommes soient bénis. Les vêtements de ces pauvres elfes étaient pleins de trous. Je sais ce qu'il faut faire. Nous allons le faire des vêtements, juste toi et moi. Achetons du tissu et du fil. Et des gâteaux. Et du fromage. Et du beurre. Et du pain. Et toute la journée, ils ont cousu. Et cousu et ont fait des jolis vêtements au lutin. Ce soir, nous ferons semblant de dormir. Puis nous descendrons en douce pour jeter un coup d'œil. Et quand la nuit sera bien noire, les lutins reviendront. Les elfes n'en croyaient pas leurs yeux. Les vêtements étaient à la bonne taille. Ils empilèrent la nourriture dans leurs assiettes et mangèrent, 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 mangèrent. Amis me manquent. Mes chaussures sont célèbres dans la ville. Les gens viennent du monde entier. Nous serions encore pauvres, c'est sûr, si ces bons lutins ne nous aident pas. Et encore certaines nuits, du moins c'est ceux qui semblent dans les rêves heureux du cordonnier. Les ciseaux magiques. C'était plus drôle que l'école. Je m'arrête ici. Quel régal nous avons ici. Une marionnette sans fil, oh oui. Si je le vole maintenant, je gagnerai d'argent. Bon garçon. J'irai, pardon. Pinocchio, alors, où vas-tu? Je vais à l'institut. Et pourquoi vas-tu là-bas? Ce n'est pas votre habitat. Tu sais, les pays de jouets nous attendent. Ne soyez pas idiots.
Vous n'irez plus jamais à l'école. Et ils les prirent par la main. Pinocchio, toute la journée, a dormi jusqu'à la nuit. Puis une glace à manger. Je ne me sens pas bien, tu sais. Je me sens vraiment bizarre. Je me sens différent. Et sur sa tête, ils sont apparus des oreilles d'âne. La fée par magie était retournée. Pouf, oreilles parties. Allez rentrer à la maison. Allez, cours mon trésor. Geppetto. Pinocchio. Tous ces je ne les verrai plus comme tu m'as connu. Ils se sont embrassés, mais une baleine les a mangés. Geppetto demande à Pinocchio. Que pouvons-nous faire? Il allumait un feu, la baleine éternuait, donc ils sont sortis. Moi, Geppetto, je vais te sauver. Sur un plage, ils sont arrivés, saine et sauf, il était. Pinocchio, Pinocchio, tu as été très bon. Je vais exprimer votre souhait, vous ne serez pas en bois. Regarde-toi, Pinocchio, vous n'êtes plus en jeu. Nous sommes une famille. Maintenant je suis réel. Oh oh oh, Pinocchio. Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite. Est parti de suite. Est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt. Mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup, je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite. S'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit. Sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot, le méchant loup dit. Et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte. À la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as. Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Au mieux t'entends, ma petite. Il dit: mon Dieu, quel grand yeux tu as. Grand yeux tu as, grand yeux tu as. Grand-mère, quel grand yeux tu as. Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quel grand dent tu as. Quel grand dent tu as. Quel grand dent tu as. Oh grand-mère, quel grand dent tu as. Les plus grandes pour te manger, il dit.
dit. Hop, il bondit, elle saute en arrière, elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière, derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse, elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 et ne reviens jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon Dewi. Mouah ! Bonne nuit. Il était une fois trois ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude. Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit trois bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe! Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud! Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid! Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait! Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Au! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est bloquée dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi. Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là. Et Boucle d'or se réveille et voit trois
chasse d'ours en colère. Pas si vite, dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment, vraiment désolée, lui dit boucle d'or. Boucle d'or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Merci, maman. Papa, lire. Oh, Zek et l'Arico Magique, je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey, allons-y. Le petit Zek et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Zek vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pipaï fofum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pipaï fidelidam, je vais monter, voici qui est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'en château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Oulala! Il fit donc face à un géant qui semblait affamé. Il volut le petit Jack pour son petit déjeuner. Pipaï fofum, qu'est-ce que nous là? Niam niam niam. Pipaï fidelidam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie harpe dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pipaï fofum, un géant n'est jamais rassasié. Pipaï fidelidam, d'un garçon pour déjeuner. Miam miam miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant poulet harpe sur la tête, sa couronne se brisa. Pipaï fofum, Jack s'est libéré du méchant géant. Pipaï fidelidam, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on vit alors en fait, et tout le monde est venu. Jack était très contente, car il était reconnu. Pipaï fofum, Jack et sa maman sont sauvés. Pipaï fidelidam, allez, c'est l'heure de goûter. Dewey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse.
Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormi. Et pendant son sommeil, un vent et de petites souris. Le nœud t'a permis, garde le lion avec sa queue. Désolé, monsieur lion. Et telle prise d'un parbleu. Le lion, me content, s'empara de l'intro. Ah ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout croc. S'il vous plaît, monsieur lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as une petite souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur lion, je vous l'ai dit, je suis très très gentille. Oh oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce et je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur lion, je vous aiderai, promis. Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Très bien. Oh. Petit souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Parti en chasse à la recherche de sa proie. Quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'un froid. Son rougissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y. Par là. Grondant et se débattant, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, aidez-moi! Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre. Petit au grand, rosé au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Holly, on sera toujours là, les uns pour les autres. Yeah!